Sur les épaules des étoiles, comme tombées du ciel, Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, a fait d'eux des généraux de brigade. Ils porteront désormais deux étoiles sur chaque épaule, Bertin Bada, Issa Abou et Fructueux Baguidi. C'est la consécration d'une carrière, mais c'est aussi beaucoup de responsabilités. J'ai aujourd'hui une pensée pour mes chefs, pour mes subordonnés, en particulier ceux qui sont récemment tombés sur le champ d'honneur, qui ne quitteront jamais ma mémoire. Et une fois encore, je voudrais dire merci au chef de l'État pour m'avoir sélectionné et pour avoir sélectionné ceux que vous avez vus qui ont été honorés aujourd'hui. Dans un contexte sécuritaire qui exige des armées encore plus d'attention et d'efforts, la nouvelle nomination au grade de général porte un sens particulier. Aujourd'hui que le chef de l'État a voulu nous rappeler que nous avons assez bien fait, nous n'allons pas rester dans le assez bien, nous allons passer dans l'excellence. Aucun centimètre carré de notre territoire national ne sera conquis par qui que ce soit. Le général Baguidi est de l'armée de terre, il est fantassin d'origine. Il est le chef d'état-major de l'armée de terre, le gros de la troupe. Le général Issa Abou est de l'arme matérielle. Il est commandant de la garde nationale, la nouvelle force en montée en puissance. Quant au général Bertin Bada, il appartient à l'armée de l'air. Il dirige le cabinet militaire du président de la République.